Ça s'est passé chez Coé. Allô. Allô, Wissam. Oui. Salut. Ça. Allô. C'est ça. Ça va. Ouais, ça va. Je m'appelle Émilie. Émilie. Ouais. Je connais pas d'Émilie. Non, je sais, on se connaît pas. En fait, je suis la cousine de Reda. Ouais. Qui m'a Reda qui? Reda qui habite à Paris. Ouais. Et qui m'a filé ton numéro. Oui. Et j'ai vu ton petit profil sur Facebook. On a commencé à déconner avec Reda. Et voilà, je t'ai trouvé. Reda, il y a une cousine qui s'appelle Émilie. Et ouais. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Oh, waouh. Et waouh. Wow. Ouais. En fait, j'habite à l'étranger. Et là, je suis de passage à Paris. Ah. Et voilà, quoi. J'ai un peu kiffé. C'est Reda qui t'a donné mon nu. Et ouais. Pourquoi? Ah, il aurait pas dû, c'est ça? Ouh là là, ça va barder? Non, mais justement, je devais voir ce week-end et je l'ai pas vu. Et là, il conseille d'être mon hume. Ça t'arrête, une jolie fille au moins. Ah, mais tu vas pas être déçu, mon petit gars. Non, puis il m'a dit que t'étais un petit chaud, que t'étais parti en Finlande, c'est ça? Avec Erasmus, je sais pas quoi. Ouais, d'ailleurs, il devait venir me voir, il est jamais venu. Ouais, je suis parti en Finlande pendant un an. Ah, t'as dû tâter de la finlandaise, comme on dit. Non, mais attends, je vais dire, il t'a donné mon numéro récemment parce qu'on m'a. C'est tous les étés, moi, il y a des gens qui m'appellent en masqué, qui me font des feintes, machin, donc j'y crois, en général, tu vois, ce genre de truc, ça m'arrive parfois, et même en Finlande, on m'a appelé plusieurs fois en masqué et tout, et c'est souvent des feintes. Donc souvent c'est une moque de moi, là, quelque part. Souvent des quoi? Des feintes. Enfin, on m'en fait souvent des calinards de genre, là. Je vais t'expliquer, oui, je vais t'expliquer. Beau gosse, machin. Non, je vais t'expliquer la life, mon petit chat. J'ai 25 ans, je t'ai vu, je vais te pécho. Donc, je sais pas ce que t'es en train de raconter, là, je sais pas quoi, des feintes. Si tu veux, tout de suite après, t'appelles mon cousin, tu gères ça avec lui. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on se rencarte demain et qu'on fasse des trucs. Voilà, ni plus ni moins. Et après, je veux plus en entendre parler. Je suis cash, je suis comme toi. Donc, c'est pas une feinte de je sais pas quoi, j'ai pas que ça à faire. Moi, j'habite à New York, j'ai plein de trucs à faire. Là, je suis à Paris, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de me taper un petit français. J'ai envie de rigoler un peu. Donc, feinte, je sais pas quoi. Voilà, moi, il m'a dit que t'étais chaud. Donc, tu me confirmes. Il m'a dit que t'étais un petit coureur de jupons et que j'allais pas être déçu. Tu confirmes ou tu confirmes pas? Je sais pas si je suis encore de jupon, mais bon. Non, mais me dis pas que t'as pas déjà niqué d'autres meufs, parce que je le vivrais mal si t'es pas infidèle. Non, mais me dis pas qu'en Finlande, t'as pas bougé une oreille. En Finlande? Oui. Oh, tu t'es amusé quand même. Bah, je me suis bien amusé. Ah, bah quand même, tu me rassures. Non, parce que je me suis dit, attends, le mec, c'est quoi? Il est fidèle? C'est quoi ce plan? Parce que moi, on m'a dépeint quelqu'un qui était pas fidèle. Donc, me dis pas que t'es fidèle, sinon je vais paniquer. Non, je suis pas non plus, attention. Faut pas croire que je suis un rouilleur en plus, je suis pas gigolo, mais. Non, bon, voilà, il m'a pas dit que t'étais parfois un crétin. Hein. Il m'a dit que de temps en temps, tu te faisais plaisir. On n'est pas adultère. Voilà. Ok, donc. Ça m'est arrivé quelques fois. Bon, bah, j'ai un peu de stress. Bon, je vais me détendre. Voilà, quoi. Voilà, on est d'accord. C'est bien. Mais bon, je te promets rien. Hein. Je te promets rien. Bah, écoute, si je te plais, on verra bien. Allô. Ouais. Tu te fous ma gueule ou pas? De quoi? Qui c'est? Oussam, tu te fous ma gueule. C'est qui encore? C'est qui, là? C'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Je la connais pas, mais tu veux quoi, toi? Putain, mais César! C'est quoi ce coup de fil? Vous êtes deux, vous foutez de ma gueule comme ça, là, tu crois que tu essaies de me tester? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ma gueule ou quoi? C'est quoi cette histoire? Non, mais attends, c'est toi, c'est quoi cette histoire, là? Tu essaies de me piéger, c'est quoi, là? Vas-y, c'est quoi cette histoire? Tu lâches ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Direct, le mec, quand il a décroché. Mais c'est ça qui fait la gamine, là, vous m'appelez un truc, vous êtes comme des gocales, là, vous êtes autour du téléphone, vous faites le haut-parleur? Ouais. C'est quoi, ça? Enfin, un peu, oui. Un peu. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il de chiant? J'aime bien parce que dès le début, il a dit ouais, j'espère qu'elle est mignonne. Donc le mec est chaud-bresse dès le départ. C'est ça qui est bien. Attends. Hey, il s'est rien passé. Ah bah non, il s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il y a alors? Vous voulez pas. Attends, il y a présent de son innocent. Présent de son innocent, s'il te plaît. Je dis toujours qu'il s'est passé quelque chose. Ça va, Strauss-Kahn? Bien. Ouais, non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Arrêtez, c'est un canular ou quoi? Vas-y, c'est quoi là? Oui. Je viens de. Quand il dit ça, non? Quand il dit l'aventure, que t'es pas trompé, peut-être qu'il avait envie de faire du cheval. Ah oui, oui, peut-être. Une aventure, je pense que mon pote a raison, il parlait poney. Je suis l'avocat de la défense. Quand il dit qu'il s'est amusé en Finlande, c'est peut-être qu'il a fait du ski. Mais bien sûr, mon coco. Du jet ski, enfin, les trucs, scooter. Mais comment? Mais attendez, c'est qui toute cette famille de New York? Nous sommes à New York. Il a pas de cousin à New York. C'est certain. Elle pleure la bichette derrière. Non, non. Non, non, Ozanne. Ozanne. Attends, mais Ozanne. Eh, qu'est-ce qui se passe là? Tu moi qui est un. Tais-toi un peu, tais-toi, toi, on parle à ta copine. Ozanne, ma puce. Allô? Tais-toi, toi. Ozanne. Oui. Allez, ressaisis-toi, ma chérie.
En même temps, ma puce, tu devais te douter qu'un an séparé, il faut pas lui jeter la pierre. C'est compliqué, Pierre. D'être, tu vois, il part un an en Finlande. Tais-toi quand je parle, toi. Ozane, tu vois, ma puce, il, pendant un an, il part en Finlande. Oui. Bon, bah voilà, c'est un faible homme. Peut-être que t'aurais fait pareil. Il fait froid, il a voulu se réchauffer. Je sais que c'est dur, ma chérie. Je sais que c'est dur. Essaye de. Voilà, au moins tu sais. Mais il fallait pas t'attendre à une grande fidélité de sa part, tu vois. Avec ta boîte, il va y passer. Pardon ? Oh, ma petite chérie. Ouais, moi, vous êtes tous sur enculés, moi je m'en bats les couilles. Mademoiselle, ça fait 5 me casse les couilles. Ben non, maintenant, je viens vous prendre. Moi, je travaille comme on va toute la journée, après on me casse la tête. Là, je viens de filer ma séance de sport, là, je viens de me défouler. Maintenant, viens, on me casse les couilles. Mais surtout, t'es pas très poli. Surtout, t'excuses pas. Ah oui, surtout, t'excuses pas. Parce que c'est bien d'envoyer. Je veux dire, c'est quoi ça? Non, mais c'est bien d'envoyer tout le monde se faire enculer, mais tu pourrais juste dire, bon, excuse-moi, j'ai un peu chauffé au téléphone. Toi, tu pourrais un minimum. Non, mais attends, et là, on commence à me dire, on me juge, ouais, machin. On te juge pas. Bon, bah écoute, hein, voilà, le mieux c'est de couper.